Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je filme à la suite, sachant que j'ai pas filmé de vidéo depuis très longtemps. Et pourquoi je disais ça? Parce que j'avais envie. Non, j'avais une raison pour dire ça. Si, c'est que j'en ai filmé deux de suite, alors que j'en avais pas filmé depuis très longtemps. Donc je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Voilà. Donc la vidéo que je viens de filmer, c'est ce maquillage là, que j'ai fait... Ah oui, donc en fait je vous explique, hein, parce que comme ça, ça va être logique. Là c'est une vidéo pour vous parler de produits que j'aime bien en ce moment. Je suis en train de voir qu'on voit ma salle de bain derrière, j'aime pas. Bon, en même temps là on voit sinon, on va voir que j'ai du bazar sur mon lit. Donc non, on va laisser comme ça, vous verrez un bout de ma salle de bain. Je vous présente... Ah, je trouve plus même. Un bout de ma salle de bain donc. Et donc je disais... Oh, faut vraiment que je canalise mes pensées. Il se passe trop de choses dans ma tête. Et donc je disais que j'ai filmé une vidéo avant, que c'est ce maquillage là, que là c'est une vidéo pour vous parler des produits que j'aime en ce moment, et du coup ça m'amène au premier produit que j'aime en ce moment qui m'a servi pour ce maquillage là. C'était dur. Et c'est donc ma palette Makeup Forever. C'est donc une palette d'Ifar de Makeup Forever que j'ai composée moi-même grâce à une de mes cousines qui est étudiante en esthétique et qui bénéficiait de prix très avantageux sur Makeup Forever et qui a eu la gentillesse de m'en faire profiter, donc je suis super contente. Donc ça c'est la première chose, je ne sais plus où la mettre. Et donc voilà, j'adore, les fards sont super pigmentés. MAC franchement, ils peuvent aller se coucher à côté parce que ça n'a rien à voir. Moi j'en avais qu'un fard Makeup Forever, j'avais le 92. Que je dois avoir par là. Par là donc. Je vous montre par principe, mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Et j'arrive pas à attraper. Ah. C'est donc ce vrai violet magnifique et ultra pigmenté. Qui est pas très facile à travailler, faut le reconnaître, par rapport à ceux que j'ai là qui sont vraiment un bonheur à utiliser. Voilà, donc j'adore cette palette et je me suis, alors que ça fait des semaines que je me maquille quasiment pas, je me suis fait des maquillages un peu élaborés au moins 3 jours de suite cette semaine, voire 4, parce que j'ai utilisé ça et que ça me fait plaisir de m'en servir en plus. Ensuite, toujours chez Makeup Forever, il y a le Full Cover. Donc ça fait quelques jours que je l'utilise. Et en fait, je l'aime. Et en même temps, c'est une vraie galère ce truc. Parce qu'on est obligé d'en mettre l'équivalent d'un grain de riz à la fois. Parce que ça sèche en 30 secondes. Donc vous avez très peu de temps pour travailler la matière et la déplacer comme vous voulez. Et ou en tout cas... l'estomper et l'étaler comme vous voulez, donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer. On dirait qu'il est en train de se mettre à faire nuit, mais je crois qu'il fait juste moche. Mais par contre niveau pigmentation c'est génial en fait, c'est une texture quand même assez épaisse, mais pas mais que ça reste une texture crème quand même, donc c'est vraiment pas crème, entre crème et liquide. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou ça. Pourtant ça fait partie des trucs que je sais faire le mieux normalement. Mais bref, donc la texture est quand même assez épaisse, mais il y a surtout une concentration de pigments assez impressionnante. Je vais essayer de vous faire une mini démonstration sur ma main pleine de veines, on va voir si ça marche. Donc voilà. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, je crois. Donc c'était le test du jour. Excusez-moi, j'allume ma lumière. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Si, en vrai, je vois une différence quand même. La veine, elle est vachement atténuée en haut par rapport à en bas. Mais peut-être que vous ne pouvez pas le voir. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouve ça quand même pas mal, malgré le fait que la texture est pas facile à travailler et que si c'est le premier produit de maquillage que vous achetez, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux tester d'autres trucs avant qui sont plus faciles à utiliser.
Ensuite, je vais vous parler des eyeliner Kiko. Alors, je suis sûre que j'arrive 3000 ans après la bataille parce que ça se trouve, ils se trouvent même plus, mais je suis comme ça. Ce sont les, comment s'appelle-t-il, Metal Light Eyeliners. Donc j'en ai 3, je crois, je me demande si j'en ai pas un autre, mais voilà. Donc j'ai un gris, un violet foncé et un violet clair. Et donc le préféré, c'est le gris. Je m'en sers tout le temps. Ils sont waterproof, donc en plus quand je vais à la salle de sport j'en mets parce que ça me ça tient toute la journée, plus la salle de sport, donc ça résiste à la transpiration et autres petites choses glamour comme ça. Donc c'est un gris pailleté, alors je sais pas trop ce que ça donne là. C'est très joli et j'adore l'embout. À chaque fois je vous montre ma main dégueulasse. C'est un embout mousse mais je le trouve parfait. Franchement, pour moi qui suis pas très forte avec l'eyeliner liquide, je le trouve vraiment. J'arrive plus à le fermer. Je le trouve vraiment bien. Voilà, je le trouve vraiment bien. Ensuite, toujours chez Kiko, il y a un crayon à lèvres. Donc, c'est le Automatic Precision Lip Liner. Et la couleur, c'est 510. Et donc j'aime bien parce que c'est les machins qui se tournent. J'aime beaucoup la couleur. Oh, ça a l'air un peu... Je sais pas, je me demande si l'écran ne déforme pas la couleur. Mais c'est un vrai rose parce que je trouve sur l'écran ça fait un peu beige, comme s'il y avait un peu d'orange dedans, je sais pas. Et j'aime bien la texture parce qu'il est pas... Il est ni trop sec ni trop grave, il est vraiment bien, on peut l'estomper un peu si on veut. Et vraiment, j'aime beaucoup, en plus il est facile à travailler, etc. Et ça m'amène au produit suivant. Ça j'adore, en fait c'est un cadeau de Noël mais que j'ai échangé. J'avais eu un rouge à lèvres et finalement je l'ai échangé contre celui-là. Et j'adore ce truc, donc c'est le Volupté Sheer Candy de... Pardon, je vous montre fermé parce que c'est joli en plus. D'Yves Saint Laurent. Alors, à chaque fois je vous montre ma main dégueu, mille excuses. Et donc, quand on le voit dans le tube, ça fait très peur. Mais quand on le met sur la main, ça fait très beau. Donc en fait, ça fait comme du gloss au niveau de la du rendu. C'est-à-dire qu'il y a un peu cet effet mouillé comme avec de la vaseline, mais sans le côté collant. Et le seul problème, c'est que ça sent la pastèque. Donc, enfin, je crois que c'est la pastèque, enfin, ça, j'aime pas l'odeur. Mais ce que j'adore, c'est que... Bah, bon, déjà j'aime cette couleur, celui-ci c'est la couleur 4... Et je sais plus, elle a un nom absurde, genre grenade suave ou un nom dans ce genre-là. Mais c'est la couleur 4. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut en quelque sorte construire l'intensité. Donc plus j'en mets, plus c'est foncé. Enfin, jusqu'à un certain point, bien sûr. Et vraiment, la texture est agréable. Alors l'inconvénient, mis à part l'odeur, c'est que la tenue est pas terrible. Mais par contre, quand même, là, je viens d'étaler avec mon doigt... Vous voyez, la couleur reste. Donc on n'a plus trop la texture, mais on garde un peu de couleur quand même. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup... Je m'essouffle, je parle beaucoup trop vite. Et donc, j'aime beaucoup le crayon Kiko avec ce truc par-dessus. Donc j'enlève le rouge à lèvres que j'ai et je vais vous faire une petite démo. Vite fait, bien fait. Juste parce que c'est joli. Voilà. Et je mets mon magnifique rouge à lèvres par-dessus. Là, de ce que je vois sur l'écran de contrôle, ça fait pas trop justice à la couleur, mais ça fait vachement moins rose sur mon écran de contrôle. Alors, je sais pas ce que ça va donner... En vrai, enfin sur la vidéo quand je la porterai sur mon ordinateur,
Mais bon, j'adore. Bon, je déteste l'odeur, par contre, ça c'est vraiment le point négatif. Voilà. Et qu'est-ce que je vous... Ah oui, je voulais vous parler aussi du Deslik d'Urban Decay. Et c'est donc un Oil Control Makeup Setting Spray. Donc c'est un peu le même principe que le Fix Plus de Max, de MAC. C'est fait par la marque Scandinavia. Donc j'en avais déjà entendu parler parce que Scandinavia vend ses produits sur internet sous la marque Scandinavia, en fait, pas avec Urban Decay. Et donc c'est un spray qui se met pour fixer le maquillage. Donc ouais, le packaging je le trouve ultra kitsch, je trouve que ça fait très années 80, ça me fait penser aux nanas en Justocorps qui faisaient des cours d'aérobic. Mais bref. Et ensuite on a la bouteille comme ceci qui est un peu moins kitsch parce que c'est pas des couleurs pastel mais c'est quand même pas terrible. Mais c'est vachement bien ce truc. Donc il y a plusieurs sortes. En fait il y en a trois qui existent chez Urban Decay et je crois qu'il y en a trois aussi chez Scandinavia. Chez Scandinavia vous pouvez l'acheter direct sur leur site, je crois qu'il y a plusieurs contenances. Et sachant que celui-là c'est 118 millilitres, donc ça fait 4. Comment on dit en français, tiens, l'unité de mesure chez les Amerlocs. Des onces? Je ne sais plus. Enfin bref, ça fait 4. La minute blonde. Et donc, ouais, c'est vachement bien parce que moi j'ai la peau très grasse, essentiellement sur le front. Et non, essentiellement sur le fond, j'ai vraiment la zone. C'est vraiment huileux et les matières migrent du coup sur mon front, donc c'est absolument immonde. Donc la vendeuse, quand je l'ai achetée, parce que bon, j'achète facilement, globalement. Donc je suis allée voir la vendeuse et je lui dis bon, en vrai, ça marche ou pas? Elle me dit si vous en mettez. Pardon. Des gros mots en plus. Si vous en mettez avant votre maquillage, ça marche très bien. Mais il faut en mettre, donc en fait, avant, donc après la crème de jour et avant le fond de teint. Et ensuite, après, une fois que le maquillage est fini, elle me dit dans ce cas-là, ça marche. Donc c'est ce que j'ai fait les premiers jours. Et franchement, c'est vrai que ça a super bien marché. Mais j'ai eu pas mal de boutons après ça. Donc je ne sais pas si c'est lié ou si c'est juste parce que ma peau entre régulièrement en guerre contre moi. Du coup j'ai arrêté d'en mettre en fait avant le maquillage et j'en mets après. Donc on est censé mettre 4 sprays sur tout le visage, moi je dois en mettre à peu près 12 pour être honnête avec vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y en a 3 sortes différentes. Donc il y a le chez Urban Decay, il y a le All Nighter, donc qui est a priori celui pour faire la fête la nuit ou le soir. Il y a le Deslik qui est donc celui pour les peaux grasses. Et il y a celui pour les peaux sèches dont j'ai oublié le nom. Et si j'y pense, je vous le mettrai peut-être en annotation quelque part par là. Mais si j'y pense, parce que ça c'est pas garanti. Et je vais essayer de vous mettre le lien vers le site de Scandinavia aussi. Si j'y pense. Et donc ouais, franchement ça marche vachement bien. Je trouve que mon maquillage bouge beaucoup moins pendant la journée. Et voilà, donc moi je trouve honnêtement que j'en mette en dessous ou juste, enfin en dessous et au-dessus ou juste au-dessus, j'ai pas constaté de différence flagrante, moi je trouve que ça marche aussi bien. Donc voilà, je crois que ça coûte le spray comme ça doit coûter 23 ou 24 euros. Donc c'est pas donné, hein, faut dire ce qui est. Surtout pour, c'est pas une très grande quantité, maintenant si on n'en met pas comme une folle comme moi, j'imagine que ça dure plus longtemps. Ah oui, et vu que je parlais de ça, ça me fait penser à un truc que j'ai pas pris avec moi, donc je vais le chercher. Et donc c'est c'est un actif pur, état pur. Celui-ci, c'est l'acide salicylique en 300. Ce truc est génial. Donc on est censé le garder 3 mois, ça fait beaucoup plus de 3 mois que je l'ai. J'en mets pas tous les jours. Au début j'avais une routine état pur et du coup j'en mettais tous les jours
Et voilà, et ma peau s'est nettement améliorée. Pardon, je fais des bêtises. Ma peau s'était nettement améliorée, mais au bout d'un moment, je pense qu'à force, ma peau avait dû s'habituer et ça redevenait pas terrible. Donc j'ai arrêté et en fait maintenant j'en mets pendant 3-4 jours de suite le soir, avant de me coucher, juste celui-là, après m'être lavé le visage, sur ma zone médiane, en fait la zone où j'ai tendance à avoir des boutons, donc sur le front, autour du nez, autour des ailes du nez et sur le menton. Et voilà, et j'en mets 3-4 jours et ça disparaît là, ça se voit plus trop, mais j'ai eu... Là c'est juste des petites marques en fait, mais j'avais plein de boutons il y a quelques jours et je trouve vraiment que ça marche vachement bien ces trucs-là. Et en plus ils viennent d'ouvrir leur, comment ça s'appelle, leur concept store. Je crois que c'est à Saint-Placide dans le 6e rue, je ne sais plus quoi, mais bon, tout est sur leur site internet. Et du coup, franchement, j'étais déjà convaincue par leurs produits, mais là, j'y suis revenue et vraiment, je trouve que c'est bien. Voilà, ah si, il y a un autre truc dont je voulais vous parler qui n'est pas du maquillage, mais que je me dois de vous montrer parce que c'est juste trop mignon. C'est un porte-bijoux. On ne voit plus, c'est pas grave. C'est un porte-bijoux que j'avais commandé sur le site d'Azos. Donc il est rose et il y a des feuilles et des petits oiseaux et c'est trop mignon. Et je voulais vous le montrer parce que je le trouve trop chou et les petits pieds sont comme ça. Et je sais pas, je le trouvais absolument adorable et je crois que je l'ai payé 10 euros et des brouettes. Et comme Azos c'est frais de port gratuit, ben, c'est vraiment cool. Je vous mettrai le lien en bas si j'y pense aussi et si c'est toujours sur le site. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est un cadeau qu'on m'a envoyé. Et c'est ma copine Astrid. Hey Astrid! Qui habite en Allemagne. Et je sais que c'est une fan de vidéos de maquillage sur YouTube aussi. Et elle m'a envoyé dans une petite glossy box allemande. Je pense que c'était celle de Noël parce qu'elle est rouge et que le carton était vert. Et donc elle m'a envoyé, parce que nous en France on n'a pas ces produits pas chers qu'il y a en Belgique, en Allemagne. Parce que nous même les produits genre Monoprix ça coûte cher. Et du coup elle m'a envoyé un paquet avec plein de petits produits des marques Essence, MUA et Catrice. Et voilà, et je suis super contente. Donc si vous êtes belle ou que vous avez eu accès à ce maquillage, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. J'ai encore rien testé pour l'instant. Donc j'ai une long lasting eyeshadow de Catrice dans une couleur, comment s'appelle-t-elle? Lord of the Blings, j'adore. Que je vais essayer de vous montrer sans faire tomber mon truc, qui est cette couleur très jolie. Dedans il y avait également un super cajal de la marque Uma. Faut qu'on me dépêche, j'ai 3 minutes de batterie donc je vais pas vous montrer tous les produits. Un petit pinceau à eyeliner et celui-ci c'est Uma aussi. J'ai décidé que ça voulait dire United Makeup Artist mais j'en sais rien. Un liner pour les lèvres Catrice. Comment ça s'appelle? Une base à paupières de Uma. Et je ferai ça après. Un Stay With Me Long Lasting Lip Gloss de Essence. Un vernis Uma qui est super joli. Un vernis, celui-ci c'est un quoi? Oh, c'est quoi celui-là? New York Nail Polish Basic. La couleur c'est Metropolitan. Donc j'aime beaucoup aussi. Il y a 3 ombres à paupières Catrice. Un marron, ah ça se casse la figure. Un beige un peu sable. Qui ressemble d'ailleurs vachement au fard, un des fards de ma palette Makeup Forever. Et un gris très foncé ou noir. 2 minutes. Un eyeliner gel essence dans la couleur I Love New York City. Donc je crois que c'est un vert foncé. Donc vu que j'en ai pas, c'est super. 1 minute de batterie, vite. Un blush Catrice. Alors ça c'est génial, c'est un pinceau démaquillant. Donc on verra ce que ça va donner. Et enfin, avant que tout tombe, le lip stain Vampire's Love de Essence.
Et voilà. Et donc sur ces belles paroles et sur ces beaux produits, je vais arrêter de parler parce que sinon la caméra va couper toute seule. Donc voilà pour les produits que j'aimais bien. Donc merci de m'avoir regardé et à un de ces jours. Bye!